pour compte tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, culture, religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter à Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager émission nous yo avec zanmou yo. Le monde au 21e siècle. Le 21e siècle se présente de plus en plus sous forme de défis majeurs. La sécurité mondiale face au spectre d'une guerre nucléaire. La paupérisation croissante des peuples où les pays riches sont aussi menacés. La sécurité intérieure des États menacés par les groupes extrémistes, terroristes et de réseaux de crimes transnationaux. Le réchauffement climatique risque d'affecter considérablement l'espèce humaine, voire la planète Terre. La coexistence pacifique entre les races, les peuples et les États. Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater avec le professeur docteur Gratien Jean sur le channel de l'intelligence, de l'information et de la formation PRG, Pierre-Richard Guillaume Info. Mesdames, Messieurs, chers internautes, d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Chanel Nouan, qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Dans l'émission Nouan, qui c'est Le Monde au 21e siècle. Je vous dis, nous sommes dans la 5e série, nous sommes dans la 4e série, une série spéciale que nous avons fait et sur la fête du drapeau en Haïti, le 18 mai. Et nous avons profité de remercier tout le monde qui était vraiment et très intéressé à visionner, à faire des commentaires sur ça. Je dis à nous allons parler d'un élément qui est vital. Pas oublier que le monde au 21e siècle, ça qui est au centre de cette émission, c'est l'être humain. C'est femme, c'est garçon, c'est immune. Et quel que soit être là, qui vit sous planète là, dans la relation entre monde et monde, nous mettons au cœur de cette émission. Le monde au 21e siècle. Dernièrement, nous avons parlé, c'était dans la troisième émission, de questions besoin en aliments. Mais nous avons dit que de l'eau à tout, très souvent, il y a parlé de aliments, il y a une priorité à Santé Cabrillo, aliments qui durent, manger. Mais boire là, ça a l'eau de l'eau, l'eau de boisson. C'est un aliment qui est vital pour être humain, qui pour aider à développer la tête, pour que l'ivini, un monde tout bon vrai, j'en dois devenir un monde physiquement. Donc, être humain, il a besoin, selon études et recherches, surtout dans le domaine médical, être humain a besoin pour le consommer par jour entre 2 à 2,5 litres d'eau. C'est ça que vous dites nous. Mais depuis longtemps, si nous apprenons l'histoire de l'humanité, nous avons regardé que ville, cité, communauté, ça ou le tribu, ils ont toujours fait en sorte que ils montaient autour ou bien bon côté qui gagne de l'eau. Et principalement, ça ou l'eau de l'eau douce là. L'eau douce là qui pour permettre de faire agriculture. Et de l'eau douce là qui pour permettre une série de besoins, nous sommes capables de besoins physiques que vous répondez avec lui. T'as coup, baigner, faire manger avec lui et aussi conserver de l'eau ça. Donc dans toute l'histoire de l'humanité, il faut nous dire que de l'eau, c'est un bagage qui est vital. Et il y a même dit que une série de grandes villes, une série de grandes cités, eh bien, c'est autour de l'eau, c'est bon côté de l'eau yo, que yo développé. Si nous faisons référence, si nous remonté depuis à l'ancienne Égypte, même un fleuve qui est vraiment important qui est développé pour l'Égypte antique à l'époque des pharaons, c'est le Nil. Si vous le monter en Europe, très souvent vous le parler de l'Eurin, il y a pas l'eau de la Seine, il y a pas l'eau de Tamise qui traverse Londres.
Et dans d'autres pays aussi, il y a pas de grands lacs, de grands fleuves. Et du côté panon, en Haïti, très souvent, il y a pas les noms de fleuves Antibonites. Et déjà, dans l'histoire du pays d'Haïti, s'il a quitté là avant nous, ça aurait l'eau indien, yo, eh bien, nous te joignons que en pile cacique, ça aurait l'eau 5 caciques, eh bien, ils ont développé, ils ont déployé beaucoup de l'eau. Et si nous regardons bien, l'eau est tellement vitale, toute l'histoire de l'humanité te chita sur la question de l'agriculture. Donc, il y a en pile partie dans l'eau, soit de manière naturelle, ou bien ces canaux yo utilisé pour aller de l'eau qui saute dans fleuve là, qui saute dans rivière là, qui pour arroser jardin. Et jodi a dans le monde 21e siècle là, eh bien agriculture continue à faire avec de l'eau. C'est près de 40% eh bien de l'eau que yo utilisé dans question agriculture là. De l'eau elle est vitale, pour qui ça que elle est vitale pour être humain, parce que elle permet de vivre. Mais pas oublier tout, il y a un pile maladie que yo recensé tout que c'est de l'eau qui baille tout. Mais tout de l'eau vient paraît tout, il y a deux fois tout comme un produit qui rare par rapport à question sous base inégalité que société a construit. Gain de côté c'est tout naturel par rapport à écosystème là, gens que géographiquement pays ça est capable situer. Pas gain de l'eau, on apprend des pays en Orient, on apprend pays qui tant que l'Égypte, tant que Arabie Saoudite côté que gain en pile désert. Mais gain de côté tout, gain même trop de l'eau. Là d'ailleurs, au point pays tant que l'Inde, gain en pile de l'eau, États-Unis, Canada, même pour pays tant que Pakistan, Indonésie, eh bien c'est des pays le Canada tout qui gain en pile de l'eau. Dans le cas d'Haïti tout, gain en pile de l'eau tout. Gagner en pile rivière, gagner en pile source. Mais de l'eau, ça retour, en tant que ressource, toute ressource, m'a dit que pour yo exploiter yo et pour yo utiliser yo, eh bien, au profit du bien-être collectif. Et même au niveau des Nations Unies, yo bay tête yo tous des objectifs. Par exemple, c'est à faire en sorte que plus fort population, t'es capable de joindre l'eau. Parce que gon crise de l'eau, c'est pas de l'eau qui pas gagné. Mais yen gen moun qui pas gagné accès. Près de 1 milliard de la population mondiale pas gen problème d'accès à l'eau. Et plus que 1 milliard li même tout, gen de fois tout gen qui mouri, gen qui gon paquet maladie, c'est par rapport à de l'eau que au boit, de l'eau li pas traité. Mais pas oublier que n'a vivre dans système de marché. Système ça, il est dominé par le marché et de l'eau à ce moment, il est venu un produit stratégique. Puisque de l'eau, eh bien, gagné des firmes, gagné des entreprises qui utilisaient, qui exploitaient de l'eau. Et ceci nous vient remarquer que de plus en plus ouais, de l'eau avec nos produits, c'est acheter pour acheter li. Et de l'eau qui est accessible à majorité population, li pas bien traité. Et c'est peut-être ça où joindre autant de monde dans une population qui capable mourir à partir de maladies que de l'eau baille. Qui ka mourir tout à partir de l'eau qui pas gagné. Mais tout gagne de fois tout, qu'on pas gagne de l'eau, eh bien, c'est par rapport à ça n'était capable l'eau. Climat, changement climat qu'a fait là tout. Son gros défi pour le 21e siècle, parce que, gen deux côtés qui te connent gen de l'eau, qui pas gen de l'eau encore, gen marais cap séché, gen mangrove cap disparaître, et ceci tout, espèce de dessus tout, qui besoin de l'eau à tout, eh bien, ils ont menacé dans ce sens ça. Donc, l'eau, c'est un grand enjeu en termes d'économie, et c'est un grand défi tout parce que population la croître même le dans tout premier début en dit que gain de population eh bien tant que la Chine qui était devant l'a vienne passer en troisième position mais ça pas empêché que population mondiale là l'a continué augmenter dans siècle ça le fait que l'a continué augmenter dans siècle ça
pral vin jwenn gen plus moun k'ap bezwen de l'eau pou yo bwe. Y a bezwen plus tout manje pou yo manje. Donc agriculture a bezwen encore plus de l'eau. Par contre, effet réchauffement climatique là, effet tout catastrophique que nous capable d'où que industrie ou gagne tout, on série de rivières, on série de lacs qui polluent. Et n'a regardé dans le cas d'Haïti aussi, il y a de pollution qui fait dans les rivières, surtout dans des zones côté que gagne Samrelo distillerie en Haïti, côté que a fait Clérin, côté que a fait Siwakan, et gagne de fois yo kon lagé bagasse là dans rivière là. Donc c'est autant de défis, c'est autant d'enjeux. Et si gen moun n'a regardé de plus en plus on regarde que de l'eau pour boire, c'est acheter pour acheter. Mais il y a deux pays tout qui arrivent à contrôler de l'eau pour acheter à tout, même si ils vendent. Mais ça va vous dire pour autant que de l'eau ça, il n'y a pas de risque là-dedans. Et là tout, le fait que de l'eau ça qui vient un élément vital pour être humain, pour population, il est capable de subir les méfaits du marché, puisque le capable de rapporter, ou jouer toute qualité de l'eau, ou jouer de l'eau qui est plus riche, ou jouer de l'eau qui est moins riche, et ou jouer une population de sa grande majorité qui n'a pas gagné vraiment véritable accès à une de l'eau qui est bien traitée, à une de l'eau de qualité, à une de l'eau qui va mettre vie en danger, qui va mettre santé et donc en danger. En toute honnêteté, on est capable de dire que ça constitue quand même on atteint à droit moun nan sans ça. Et c'est peut-être ça, les Nations Unies reconnaître que l'eau, c'est un droit humain que lié, c'est un droit moun que lié. L'eau que terre baille là, l'eau que population a besoin, quel que soit couche là, c'est un droit que lié et tout moun de manière équitable t'a doué gagner accès normalement à de l'eau. Mais tout nous sommes dit à l'heure à tout, il y a de côté où joindre de l'eau rare, c'est par rapport à position géographique là. Et tout, dans la science, tout, on va y avoir le rythme téméral. Ou pral ouè, population ça, certes, il y a besoin de l'eau, ou capable ouè que besoin en eau, yoa, besoin en eau pour vivre chaque jour là, eh bien, les gens doivent moins que l'autre côté, parce que dans l'environnement que vous faites là, eh bien, de génération en génération, vous venez joindre que gagnent des mondes qui finissent par développer un corps physique qui est adapté à l'environnement, ça, qui fait que la besoin de l'eau. Certes, il y a des mondes qui ont besoin de l'eau pour que l'eau fonctionne chaque jour, mais au cas joindre dans l'autre continent lui-même dans l'autre région que l'état besoin eh bien moins que 2 litres là on va dire la besoin en litre mais au moins 1.5 litres pour ta consommer surtout dans pays qui fait fret en pilio surtout dans pays qui tempéré yo par contre dans pays qui fait chaud en pilio au cap on est capable dire que il y a besoin plus de l'eau mais tout il y a capable besoin de l'eau qui proportionnelle par rapport à l'environnement que y a vivre là. Mais il était quand même un défi pour le 21e siècle là pour que nous poser problème de loi parce que rapport yo montrait très souvent eh bien quantité de pays surtout en Afrique qui frappés par question de loi combien millions de monde qui mourit eh bien par rapport à question de l'eau que vous n'avez pas accès. Mais tout, il y a des pays qui gagnent en pile de l'eau tout, mais il y a des gens qui mourent tout, il y a plus fort près de 35% eh bien, de catastrophes naturelles, yo, eh bien, yo kon causé par des inondations. Donc, c'est dans ce sens ça, pour que de plus en plus, les politiques, les décideurs, eh bien, dans ce sens ça, pour que yo appréhende besoin ça, qui c'est de l'eau, pour y appréhender de manière stratégique, pour y appréhender surtout de manière équitable. Certes, ce n'est pas du jour au lendemain, on va sortir dans
économie de marché, hein, parce que tu as regardé depuis la nuit des temps, depuis le monde est monde, tu as toujours gagné des transactions. Mais réduire un élément vital pour le développement être humain, pour pérennisation tout, espèce humaine dans tout, mais il y a lieu de se questionner, il y a lieu aussi d'avoir de grandes préoccupations, surtout dans le siècle ça que nous vivons là, qui c'est 21e siècle là, côté de loi, vraiment c'est un véritable défi que lié par rapport surtout à la question des inégalités, par rapport à surtout une masse population qui n'a pas gain accès à de loi et une minorité lui-même certes qui gagne accès parce que le pouvoir d'achat, mais tout de loi les contrôler aussi par le marché. Pause pub. C'est l'heure de la pub. Ça fait plus que 2 ans depuis Kabasoum Plus te vin avec l'huile miracle là qui fait un pile miracle tout côté. De bougain douleur dans pied ou dans senti ou dans tête ou dans dos tout côté dans quoi c'est relé Kabasoum Plus pour qu'a prendre l'huile miracle là. Relé dans 561 247 9707 ou bien aller sur site nous qui c'est www.kabasoumplus.net. Kounya Kabasoum Plus vin avec l'autre produit pour vous. Nous gon produit qui relé amplifier men. L'autre prend tout ça, yo seul tigre n'a bon 100 heures de temps. Wap ka frappé pendant toute période ça sont pas fatigués. Aïe aïe aïe. Messieurs yo, mais Maxmin. Maxmin, c'est un produit qui prend de 3 à 90 jours. Si madame ou bien ménage ou ta plein pour longueur avec l'âge matériel là, eh ben, de pour fin prendre Maxmin, la mette au Maxmin. La palonge matériel là et la felvin pigou. Ou ka utilise Maxmin chaque matin ou bien chaque après-midi. Rele Kabasoum Plus dans 561 247 9707. Al sou website dans c'est www.kabasoumplus.net. Kabasoum Plus pote pour nous savon à crème turmeric. C'est un savon à yon crème qui fait avec ingrédients naturels. Yon fait avec turmeric, la loi et puis si au miel. De pour besoin faire peau belle, fait le clean, servi avec savon et puis crème turmeric. Lors servi avec savon et puis crème turmeric, li pou obtenir ni dehors ni en dedans. Ou pas gen pièce tache sous peau. Gardez, quel que soit côté dans monde là, ou ka acheter produit nou yo en gros gros détail. Pote sur www.kabasoumplus.net. Bon me ple Kabasoum pour nous. KABASUM plus.net. Et puis relé dans 561 247 9707. Ou ap jwenn produit Kabasoum Plus yo dans tout store qui est Florida. Kabasoum Plus, c'est une entreprise qui aide moun. Mais nous et tout, c'est une entreprise qui bay surprise. Et n'ap gade dans le cas de la République d'Haïti. C'est pas pour aujourd'hui, hein. Depuis longtemps, où t'es toujours conjoint dans des cités, dans des quartiers et populaires, côté que son fontaine publique, mais de l'eau pas venir tout le temps, où j'ai une guerre de vaille, vient qu'à fait dans des zones, côté Mounio, prêt à chercher de l'eau à des kilomètres. Et aussi dans l'arrière-pays, c'est pas seulement et en Haïti, dans d'autres pays, dans d'autres contrées, où j'ai eh bien, des mounes qui prêt à chercher de l'eau à des kilomètres. Parce que de l'eau, ils sont bagailles importants, les vitales pour la vie monde. Et c'est peut-être ça, eh bien, gagner de pays qui investit, eh bien, des milliards de dollars dans la question de l'eau. Mais pour qui ça, des milliards de dollars dans la question de l'eau? Mais aussi gagner des entreprises qui gagnaient aussi des centaines de milliards de dollars dans la commercialisation de l'eau. Il suffit que vous paraissez vraiment dans des supermarchés et surtout dans les grands pays pour regarder généralement pour les gens à Charouyo qui prennent toute qualité de l'eau ou bien qui maintenant Charouyo là, eh bien, de grandes quantités de caisses d'eau. Parce que l'eau qui vient dans le robinet, eh bien, ils ne sont pas capables de boire de l'eau ça. Et de côté même tout, l'eau est tellement polluée. Que même pour et surtout pour les femmes, les jeunes filles, les enfants de sexe féminin pour faire toilette, c'est obligé d'utiliser de l'eau traitée parce que de l'eau qui vient dans le robinet, eh bien, l'hypothé des microbes qui capable attaquer eh bien, fia et dans ce sens ça, qui capable développer des maladies.
et il y a des maladies intestinales tout qu'on va souffrir tout, c'est peut-être non loi que on va le prendre, surtout loi secouer doigt après un bossage. On va loin encore, il y a des monde qui utilisaient de l'autorité même pour bosser dans yo. Donc regardez, ça c'est des bagages qui pour préoccuper nous. Ça c'est bagages qui pour poser peut-être nos questions au niveau relation monde dans l'humanité là. Et ça yo, c'est des questions pour que nous adresser dans le 21e siècle là. Mais attention. Là nous dit le monde au 21e siècle déjà gain 22 l'année dans le 21e siècle ça. Faut nous n'a poser problème yo en termes de prospection, en termes de futur aussi. Ça que n'a vive dans le 21e siècle là qui appelé qui capable empirer dans fin siècle ça en termes de projection. Eh bien, n'a posé yo de façon que siècle cap venir, hein, le 22e siècle soit un siècle meilleur. Ceci étant dit, nous déjà parti sur le principe que ce siècle, ce 21e siècle, eh bien, n'est pas sur de bonnes pentes, n'est pas bien marché. L'hypothèse ensemble avec lui, tout yon latrier de problèmes qui déjà t'es qu'on gagnait au 19e siècle, pour me parler trop loin, au 20e, et nous poter encore. Et là, faut nous chercher vraiment des solutions qui pérennent. Problème ça qu'on a posé, je ne j'en dis pas, eh bien, faut que nous pas t'apporter, je n'ai pas poté là, génération Calvini yo, au 22e siècle. Il faut que nous aller à un monde, dans le 21e siècle là, côté que gloa capable accessible à toute population. Côté de l'eau à tout, même population qui dans arrière-pays, elle est capable besoin d'aller faire des kilomètres pour aller chercher un de l'eau qui dans une source. Et très souvent, sous ça, elle est déjà polluée. Faut nous aller tout, dans un sens tout, nous avons économie de marché. Côté de l'eau que nous avons acheté, l'eau de boisson, en termes de préservation, en termes d'équité, en termes de droit à l'eau que chaque monde a, s'il le faut que l'État lui subventionne l'eau de boisson qui traite ya pour aider à réduire une série de maladies, une série de morbidités, une série de mortalités qui occasionnées par rapport à la consommation de l'eau qui pas traitée, qui fait que chaque année gagne centaines de millions de monde selon OMS qui mourit le fait que eh bien yo consommer yo mauvais de l'eau et le fait que tout eh bien yo pas joindre de l'eau pour yo boire. Donc le 21e siècle on capable dire l'état doit un siècle de rédemption, un siècle de solidarité, un siècle de partage, un siècle de recherche de solutions commune pour que nous capables préserver vraiment espèce humaine là ça que nous représenter dans planète ça que nous représenter peut-être dans le cosmos en tant qu'être humain j'ennuie la journée jodia nous doués de un paquet de potentialités nous sortis de Cavenio pour nous faire des cités jodia c'est de grandes villes nous quitter Chevalio quoi que gagne côté que vous servir avec yo nous avons gros technologie n'a pensé vitesse de la lumière nous prêt aller dans l'espace n'a communiquer et je ne jodi a eh bien nous fait monde là de un village donc c'est-à-dire que quand même n'arriver par cette solidarité n'arriver quand même par cette mise en commun avancer mais ça pas empêcher que inégalité yo rete criante ça pas empêcher c'est toujours yo infime minorité qui kembe tout au socio et yon majorité kap subi eh bien inégalité sa yo. Donc Jean Nabdila au 21e siècle question de loi surtout l'eau de boisson patadoué yon véritable défi je le représente jounen jodi a en termes de rareté que capable gagner
en termes de maladie que ça capable bail, en termes de taux de mortalité qui capable augmenter dans ce sens ça, par le fait que le roi, eh bien, il y a une dynamique de mercantile, il y a une dynamique du marché. Non, non pas contre le marché, non pas contre que le roi, eh bien, il est capable d'un coût de traitement de loi. Un coût de traitement de loi, il y a un coût. Nous pas qu'à faire toute entreprise ça disparaître dans ce sens ça, mais les politiques, les décideurs publics capables de commencer à réfléchir qui genre que, eh bien, quand même, pour certaines de leur population, eh bien, bon, pas dire pour certaines de leur population, qui genre tout, qu'ils sont capables d'arriver à réduire la question de coût de consommation de l'eau que nous sommes dit tout à l'heure là, qui estimait à travers des entreprises qui investissent dans la question de l'eau, cap gagner près de 70 milliards, plus de 70 milliards de dollars, voire euros, sinon en Europe et par rapport à monnaie ça, eh bien, comme. Dans le cas d'Haïti, nous ne pouvons pas estimer quand même, et comme il y a, mais quand même, gagner et marcher ça, c'est le marché. Non seulement qui n'en met de grandes entreprises, de grands commerçants et dans ce sens-là tout, qui vendent toute qualité de l'eau importée, gagnent de l'eau que nous fait sur place tout, mais nous ouais tout pour compenser les petites populations, gagnent toute vente d'eau qu'a fait à travers les sachets. Et là aussi, ça que vous utilisez pour qu'on fait commercialisation de l'eau, question plastique là, eh bien, les vins gagnent conséquences li, les vins gagnent effet li sous environnement côté que li entre tout eh bien un facteur qui capable polluer ça qu'on a pris l'eau eh bien environnement qui capable porter attaque tout qui carène l'eau toxique et augmenter de plus en plus le risque que de l'eau masse population li même li gain accès à lui même en termes de survie eh bien de l'eau ça li capable eh bien attaquer ville. Donc l'eau, c'est un véritable défi, je ne t'ai pas dit, pour le 21e siècle là. C'est un véritable enjeu tout pour le 21e siècle là, par rapport à ça que l'y représentait en termes, donc, en termes de gains économiques, l'y capable de rapporter pour entreprise qui a fait de l'eau traité, pour entreprise qui a vendre de l'eau, et même aussi pour les petites et moyennes entreprises qui rentrent dans la question ça. Maintenant, l'essentiel pour le 21e siècle, quand même, l'État est au centre. Et c'est peut-être ça que les décideurs publics, eux-mêmes, ils doivent définir vraiment de véritables politiques publiques, et bien non seulement de véritables politiques publiques pour la question de l'eau à tout, il n'y a pas marché sans assainissement. Assainissement est vital tout. Et si on prend dans le cas d'Haïti, côté que nous vivons, je ne j'en dis pas, problème de l'eau a été posé en pile, parce que l'eau n'est pas venu dans le robinet, l'eau est là, j'ai que traité, j'ai que exploité, et surtout, il y a de grands problèmes d'urbanisation, côté que de plus en plus, côté qui est kembe nabdoyo, eh bien, c'est construction qui gagne là-dedans, et c'est là que yo déverser et bien ce qu'on appelle les déchets humains aussi et tout ça li attaquer Santa Cabrello n'a phréatique là qui fait que l'eau ça non seulement que a utilisé pour baigner parce que l'eau baigne quand même quelques gouttes d'eau rentrer soit dans yeux soit dans bouche quand même gagne des micro-organismes cultivés qu'on prend là-dedans et à la suite par contre qui conséquence ça gagne dans yeux. Même traitement, tout ça va demander de qui traitement quoi faire. Gen gens ont traité de l'eau à base de chlore, qui gagne conséquences li, et gen d'autres traitements qui non de chlore aussi, mais qui gagne conséquences li tout. Mais là encore, il revient aux décideurs publics, eh bien, de prendre en charge la question de l'eau. Et presque chaque année, nous voyons que gagne de grandes conférences qui organisé autour de l'environnement, autour de l'eau, ouais, autour de l'assainissement. Et il y a des pays au même tout, à l'intérieur tout, il y a des organisations de la société civile, il y a des ONG aussi
qui cherchaient des forums pour que ils posaient problème de loi. Donc, espace ça, Chanel PRG et Info Pierre-Richard Guillaume, c'est un espace de forum qui a posé les grands problèmes pour l'existence humaine, les grands problèmes pour la survie même de l'humanité, les grands problèmes pour la pérennisation de l'espèce humaine. Donc, le monde au 21e siècle, c'est tout cela. Donc, je dis à nous, théorie avec nous, il y a un élément vital pour être humain. On se dit tout à l'heure là, eh bien, être humain, il a besoin entre 2 à 2,5 de l'eau pour ta consommer, litre de l'eau pour ta consommer par jour. Mais tout, nous sommes capables de tout. Nous avons fait un petit Santé Cabrillo, un bémol et de manière scientifique. Tout dépend de continent, tout dépend de région. Eh bien, on est capable de quantité de l'eau, il est capable de varier eh bien, de un monde à un autre pour le consommer par jour. Ce n'est pas parce que on vive en Afrique, on est capable de faire chaud en pile pour dire que on capable besoin plus de l'eau. Non, mais l'organisme là, il est déjà adapté dans sens ça. De l'eau, la proportionnelle dans sens ça. Donc, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour que Jodia nous t'ait accueilli, nous, et sous Chanel Pierre-Richard Guillaume Info, sous émission ça, le monde au 21e siècle, côté que nous avons posé les besoins en eau pour le 21e siècle, les enjeux, les défis, eh bien, que ça représentait pour la population mondiale, que ça représentait pour les décideurs publics, ça représentait aussi pour moun kap réfléchi, pour moun kap pensé. N'ap di nou, pas oublier like, pas oublier abonnez-nous à chaîne ça qui c'est PRG Info et n'ap tann tout commentaire nous, toute suggestion nous, eh bien au 37 62 47 95 et au 46 56 122. C'était le professeur Gracien Jean avec nous dans Le Monde au 21e siècle. À bientôt. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il y ait religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter à Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager émission nous avec zanmou yo. Le monde au 21e siècle. Le 21e siècle se présente de plus en plus sous forme de défis majeurs. La sécurité mondiale face au spectre d'une guerre nucléaire. La paupérisation croissante des peuples où les pays riches sont aussi menacés. La sécurité intérieure des États menacés par les groupes extrémistes, terroristes et de réseaux de crimes transnationaux. Le réchauffement climatique risque d'affecter considérablement l'espèce humaine, voire la planète Terre. La coexistence pacifique entre les races, les peuples et les États. Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater avec le professeur docteur Gracien Jean sur le Chanel de l'intelligence, de l'information et de la formation PRG, Pierre-Richard Guillaume Info.